prenons. Avec le zèbre, on court au galop. Quand on chante comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Où es-tu donc parti? Avec les beignes que je t'ai données. Dans quel pays lointain es-tu allé les manger? Encore! Où es-tu donc parti? Où t'es-tu envolé? Stop! Dans quel pays lointain? Ça suffit! Juste une petite blague, passe-montagne. Bon, ça bon. Va faire. Est-ce que ta pente avance au moins? Non, elle recule. Oh. Toi, ton huile? Au moins, les temps sont meilleurs. Et j'espère que tout le monde va les aimer. C'est des beignes pour le réveillon. Chez grand-mère demain soir, il va y avoir nous trois. Grand-mère pis le père Fardoche, Julie, André et tout. On va bien s'amuser. Comment ça va, ta pâte, là? Ah, là, j'ai mis le sucre au beurre fondu. Mmh, ensuite, d'accord. Je vais mettre le lait. Puis ensuite, des œufs. Puis après ça, dans l'autre bol, d'accord. Il va y avoir la farine. D'accord. Le sel, la poudre à pâte puis la vanille. Mmh. Je te dis que, à part d'avoir à l'endurer celui-là, je trouve ça très plaisant aider grand-mère pour le réveillon. C'est vrai que, à part passe-montagne, c'est plaisant. Riez tant que vous voudrez, je sais bien que vous plaisantez. Hey, pourquoi tu trempes tout le temps ton verre dans la farine? Ben, c'est pour pas que la pâte colle au verre quand je la découpe. Oh, oh, oh! Un petit tour de magie. Regarde bien. Avec le dé à coudre, je vais faire un trou dans le beigne et puis la pâte va disparaître. Tadam! Parti, pâte! Oups! Ma pule! Envolée! Arrête tes petits trucs! Donne... Bon, passe-montagne. Bon. Hmm? T'as assez mélangé comme ça, là. Rajoute un peu de lait. Bon. Lari. Est-ce que ma pâte est assez mince, Pascaro? Parfaite. Et hop! Garde bien, passe-partout. En cuisant, il met mon beigne, il gonfle. Puis, en gonflant, lentement, tu vois, il change de couleur. Ben oui! Regarde, le centre commence à devenir doré. Oh, je pense que c'est le moment de les tourner de bord. Oui, d'accord. Oh! Oh, ça sent bon! Puis ça donne faim, hein? Oh, je comprends que ça donne faim! Tu touches à rien! C'est trop chaud pour tes petits doigts, puis tu vas te brûler. À part ça, c'est pour demain. Bon. Oh, hé! Hey! Il y en a sur lesquels tu vas tamiser du sucre en poudre, hein? Oh oui! C'est pour Julie! C'est comme ça qu'elle les aime. Oh, puis d'autres glacés au chocolat! Oh, pour Fardoche et André. Ouais, puis d'autres sans rien dessus. Pour grand-mère? Inquiète-toi pas le gras. On a pensé à tout le monde. Il y en aura pour tous les goûts. Oh, hein, regarde! Il a l'air prêt. Oh, j'y pense. Passe-partout. Oui? Est-ce que t'as déjà vu ça, toi? Un gros beigne en caoutchouc? Un beigne à quoi? En caoutchouc! Oh. C'est un cadeau de Noël que je voulais te donner parce que je t'aime bien. T'aimes-tu ça, toi? T'aimes-tu ça, des biscuits, toi, Geneviève? Oui, ça, c'est ma femme. C'est délicieux. Un petit soufflé. Elle n'a pas bougé, hein? C'est la grand-mère. Vous voulez prendre votre moule? Oui. Ouais, tu prends ça? Non. Bon, c'est ça. Attention, je veux prendre la main. Vite! Dépose-le. Tiens. Thank you.
Père Noël. Carmine! Carmine! Dis la comptine de Noël. Encore? Le matin de Noël, là, je vais me réveiller, puis je vais la dire à tout le monde, la comptine. À ma mère, à mes sœurs, puis à toute la visite. Bon, bon. On dit la comptine? Oui. Christo de Noël. Christo de Noël. Petite fleur glacée. Petite fleur glacée. Tombée, tombée. Tombée, tombée. Tombée, tombée. Tombée, tombée. Tombée sur la tête des enfants. J'ai hâte à Noël. J'ai hâte de voir mes cadeaux. C'est là, mon cousin, là, il va être encore chez nous le soir de Noël. C'est vrai. Dis que c'est vrai, Rigodon. C'est vrai. Maman, ça va. Maman, ça va. Tu sens bon, mon beau sapin. Et toute l'année. Et toute l'année. Bon, essaie de la dire toute seule maintenant. Ça commence. Oh oui! Flocons de neige. Christo de neige. Christo de Noël. Ah, Christo de Noël. Et les cristaux de neige, là, quand ils tombent sur mon manteau, je regarde, puis ça ressemble à des petites étoiles. Ça ressemble à des petites fleurs aussi. C'est pour ça que dans la comptine, on dit « Christo de Noël, petite fleur glacée ». Tomber, 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 tomber. Tomber où? Tomber, tomber sur la tête des enfants. Mm-hmm. Et puis? Tomber sur la tête des parents. Dites-leur. Dites-leur de s'aimer, de s'aimer, de s'aimer. Quand? Le jour de Noël. Rien que le jour de Noël? Le jour de Noël et toute l'année. C'est ça. Je connais la comptine par cœur. Regarde, c'est long, ma guirlande. J'ai mis tous les bois ensemble. Moi, je peux faire une guirlande jusqu'au coin de la rue. Tu sais comment je fais les anneaux? Avec des bouts de papier de couleur. Puis là, je tourne, puis je mets un petit papier collant. Lui, il fait des guirlandes avec des tranches de carottes. On peut faire des guirlandes de Noël avec n'importe quoi. Avec des nouilles. Avec des bonbons. Mais pas avec des œufs, des sandwichs puis tout ça. Ben non. Ha, ha, ha! C'est moi, le Père Noël. Qui veut des cadeaux? Ha, ha, ha! Je passe par la cheminée la nuit. Ha, ha, ha! J'ai collé des petites boules d'ouate. Ça fait comme la vraie barbe du Père Noël, hein? Chez nous aussi, je vais en faire beaucoup, beaucoup des petits Pères Noël comme ça pour accrocher dans notre arbre. Christo de Noël, petite fleur glacée, tombée, 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 tombée! Tomber sur la tête des enfants, tomber sur la tête des parents, dites-leur de s'aimer, de s'aimer, de s'aimer, le jour de Noël et toute l'année. On va les accrocher haut. OK. Oups. Regarde-les donc. Hey, c'est pas vous deux qu'on décore, c'est le sapin. Bougez pas, je vais essayer de démêler ça. Christo de Noël, petite fleur glacée, tombée, 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 tombée sur la tête des enfants, tombée sur la tête des parents, dites-leur de s'aimer, de s'aimer, de s'aimer, le jour de Noël et toute l'année. Noël vient. J'ai hâte.
en avez de la nourriture là-dedans, passe-partout, c'est pas des farces? Oui, puis je vous dis que c'est lourd, hein, pas pour rire. Mais c'est parce qu'on va fêter Noël avec plein d'amis cette année. Alors, ça en fait des bouches à nourrir. Vous, allez-vous fêter? Oh, pas cette année. Comment ça? Ben, mon mari est assis le chômage, puis là, il est malade. Faut le soigner. Pour ça, j'ai dû laisser ma place à manufacture. Ça fait que l'argent, on n'a plus tellement. Ça fait que fête et Noël, je pense que ça va être l'année prochaine. Comme ça, vous pourrez pas fêter Noël cette année? Ben non. Au revoir, passe-partout. À bientôt. À bientôt. Ben non. Lucille peut pas fêter Noël cette année. Son mari malade, puis elle, plus d'argent parce qu'elle travaille pas à la manufacture. Oui, mais on en a plein de nourriture, nous. On devrait leur en donner. Ah, mais des vêtements aussi. Moi, j'en aurais des vêtements à leur donner. Ah, ben moi aussi. Ah, mais j'ai une idée. On va appeler des amis, puis on va leur demander si eux aussi, ils en ont à donner. Puis on ira les chercher ce soir. Ah oui? Ah oui, on va appeler les trois petits Tremblay. Oui, ah, oui. Puis on pourrait apporter des instruments de musique. Comme ça, on chanterait, puis on danserait en même temps. Oui. Bon, ben, c'est ça qu'on fait. Moi, j'appelle les amis, puis vous autres, occupez-vous du reste. Moi, je vais aller chercher les instruments de musique. Cette année, Lucille va fêter Noël. Joyeux Noël! Bravo!
les affaires. Allez, on rentre à la maison. On va commencer par y poser les roues, hein? Parce qu'un camion de pompier n'est pas drôle, c'est pas vrai. Vous remarquez comment on les pose? Oui, oui. Hein? C'est des vis. Pourquoi c'est des vis? Des vis. Parce que c'est un camion en bois. Oui. C'est pour ça que c'est des vis. Autrement, ce serait des tiges de métal. Hein? Oui. Moi, j'aimerais ça en avoir un camion de pompier comme ça. Comment vous allez poser l'échelle? Bon, à ce temps, on va lui poser l'échelle. Hein? Bon. Et pour tenir l'échelle, regarde, c'est une tige de métal. Mm. Bon. La tige de métal, il faut la placer, là. On la place. Après ça, il faut mettre un petit trou pour glisser la corde. Est-ce qu'il va y avoir une corde qui va glisser dessus? Pasteur, on essaie-tu pour voir si elle déploie? Hein? Je veux le faire rouler? Il était une fois un petit garçon qui avait reçu en cadeau à Noël un petit soleil. Mais il pouvait jamais manger de la crème glacée. Parce que son petit soleil la faisait toujours fondre, la crème glacée. Alors un jour, il a envoyé son petit soleil dans le ciel. C'est là que ça va, hein, des soleils. Dans le ciel. Quand est-ce qu'il l'avait reçu en cadeau, son petit soleil? Et puis, qu'est-ce que le soleil faisait toujours fondre? Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le petit garçon, avec son soleil? Ça fait longtemps que j'attends, moi. Pourquoi c'est pas Noël tout de suite, hein? Tout de suite! Oh. Pendant ce temps-là, moi, j'essaye de faire passer le temps vite, vite, vite. Je m'occupe à toutes sortes d'affaires. Je décore le sapin, j'emballe mes cadeaux, je prépare des choses dans la cuisine, puis j'aime ça faire tout ça. Mais quand même, pendant ce temps-là, moi, j'attends Noël. C'est tout le temps là dans ma tête. J'oublie pas une petite minute. Parce que Noël, c'est partout autour de moi. Ben, dehors, il y a plein de décorations de toutes les couleurs. En dedans, il y a le sapin, la crèche, les cadeaux. Il y a, oh, les bonnes odeurs, les beignes. Tout me fait penser à Noël. Oh. En tout cas, si j'ai hâte comme ça, c'est parce que c'est un grand plaisir qui s'en vient. Puis j'y pense tellement, là. J'y pense tellement que quand il va arriver enfin ce Noël-là, je vais être la plus contente du monde. Oh. J'ai hâte de lui donner à mon père son cadeau. Avant, je donnais toujours son cadeau avant Noël. Ben là, il sait pas ce que je vais lui donner, mon père. J'ai même pas dit.
capable d'attendre Noël. Cristaux de Noël, petites fleurs glacées, tombez, 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 tombez sur la tête des enfants. Vous êtes prêts? Oui! Alors, je vous offre mon cadeau. Mon cadeau, c'est une histoire. Ça s'appelle... Le bon gros Père Noël et le petit écureuil gelé. Oh! Attention, ça va commencer. Bravo! Il était une fois un bon gros Père Noël qui rentrait chez lui après avoir distribué tous ses cadeaux. J'ai distribué tous mes cadeaux. Eh oui, mon sac est vide. Il ne me reste plus un seul cadeau. Les camions, les poupées, les chevaux. J'ai donné tous mes cadeaux aux enfants et aux animaux. Oh, j'espère qu'ils vont être contents. Oh, j'ai bien travaillé. Maintenant, je vais aller me coucher dans ma chaude maison. Ah, 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 ah. Bonne nuit! Bonne nuit! Mais dans la nuit de Noël, se promenait tout seul le petit écureuil grelot. J'ai froid. Mes pattes sont toutes gelées. Oh, mon museau est glacé. Je cherche le Père Noël. Le Père Noël n'est pas venu chez moi. Ma maison est cachée dans le creux du petit arbre là-bas. Il n'est pas venu me porter de cadeaux. Et je cherche. Mais dans sa maison, et j'ai froid. Et le petit écureuil avait tellement froid aux yeux qu'il ne voyait même pas la maison du Père Noël juste derrière lui. Pendant tout ce temps, il sautillait dans le décor sans voir la maison derrière lui. Maintenant, il est près du bosquet, complètement figé. Oh oui, j'ai froid. Qu'est-ce qui m'arrive? Mes pattes sont engourdies. Je ne peux plus bouger. Le froid m'endort. Dormir. Il va mourir. Ouf! Il fait chaud dans ma maison. Ouf! Je ne peux pas dormir. Il fait trop chaud. Ouf! Aïe, tata. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des pistes? Des pistes d'écureuils? Il y a un écureuil qui se promène dans la nuit de Noël, qui vient devant ma maison et qui n'entre même pas. Je ne comprends plus rien, moi. Mais ce grelot, le petit écureuil. Grelot, mon petit grelot, qu'est-ce que tu fais là, couché dans la neige? Mais il est tout froid. Pauvre petit grelot, il est complètement gelé. Il ne peut même plus parler. Oh, grelot, réchauffe-toi dans ma barbe. Réveille-toi, mon petit, réveille-toi. Ça y est, il se réveille. Mais oui, je suis là, mon petit grelot. As-tu encore froid? Ça va mieux, Père Noël. Quoi? Tu n'es pas venu chez moi? Tu ne m'as pas apporté de cadeau? Qu'est-ce que tu me dis là? Je n'ai pas laissé de cadeau dans ta maison. J'ai oublié. Non. Mais où elle est, ta maison? Cachée dans le creux du petit arbre là-bas.
Oh, excuse-moi, elle est bien cachée, je ne l'ai même pas vue. Oh, mais attends que j'aille voir dans mon sac, il doit bien rester un petit cadeau pour toi. Quand le Père Noël s'en va, je recommence à avoir froid. Brrr. Petit curieux. Ah, Père Noël, Père Noël! Il ne me reste plus un seul cadeau dans mon sac. Plus cadeau? Il n'y en a plus dans mon sac, mais il y en a un dans ma barbe. Dans ta barbe, Père Noël? Eh oui! Une noix! Pour toi, mon petit grelot! Merci, Père Noël! Merci! Allez, grelot! Viens te réchauffer dans ma chaude maison. Oh, on va fêter. On va danser. Oui, oui. Bravo. Au petit trousseau, le cheval, le cheval.